La faute qu'il ne fallait pas commettre. Ce mardi 28 février, le journaliste Benjamin Duhamel recevait sur le plateau de BFM Télévision le ministre de la Justice et garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti pour l'interview face à face de la chaîne. Si l'interview s'est passée dans l'ensemble de manière très classique, revenant sur plusieurs sujets d'actualité comme notamment l'affaire Pierre Palmade. Un court instant de quelques secondes a pourtant provoqué l'ire des internautes et même de certains hommes politiques. Alors qu'il changeait de sujet pour passer sur celui de la réforme des retraites, actuellement débattue au Sénat, le ministre a demandé aux journalistes s'il pouvait avant ça dire deux mots. Benjamin Duhamel lui a alors donné l'autorisation, mais, avec un lapsus regrettable, « Oui, vas-y. Allez-y. » Une réponse par la suite isolée du reste de l'interview sur Twitter et qui, selon beaucoup d'internautes sur le réseau social, trahit la familiarité que les deux personnalités publiques entretiennent hors des caméras. « Ils sont mignons les copinous de la haute » a ironisé un premier. « Oh, purée c'est moche » un lapsus aussi révélateur a ajouté un second. Même Manuel Bompard, député de la France Insoumise a repartagé l'extrait en légendant « copain comme cochon ». Une remarque qui renvoie également au déjeuner qui a fait scandale il y a quelques semaines entre Emmanuel Macron et certains journalistes, à propos de la réforme des retraites. Censé rester secret, cet événement s'était finalement ébruité et avait indigné une partie de la population française. Photo, découvrez les ministres du gouvernement Borne. Is mauvais buzz risque de ne pas améliorer auprès du grand public l'image du journaliste Benjamin Duhamel, déjà victime d'une réputation peu reluisante. Fils de Patrice Duhamel et de Nathalie Saint-Cricq, tous deux journalistes bien installés. Le jeune homme de 27 ans est régulièrement accusé d'avoir été pistonné et subi des critiques. Lors d'une interview, sa mère, Nathalie Saint-Cricq, avait d'ailleurs déploré avoir entendu à son propos « Quand il fait un truc, on dit qu'il est aussi con que sa mère ». Une situation que dénonce régulièrement l'ensemble des membres de cette famille. Crédit photo, capture écran BFM Télévision.